قلبت على مفتاح القلوب قالوا كلمة في الرزم تدور ولو ما كان كيانك في هذا الكون ما كانت أغنيتي في الكون يلا فاتوا سنين وانا نمشي ما خليت فين وما لقيت شي في الفتيلة والقنديل قلب عليك ولو ما كايش مرة حبيت وكانت غلطة مرة أمنت وكانت غير هدر عليك نجول طرق كانوا زمان وانا نسول فيك مفتاح القلوب فيك مخفي انا محتاجك وين تكون قلبي زد بواب وخلاص من يوم نار الخاين تخلص عليك نجول طرق كانوا زمان وانا نسول فيك مفتاح القلوب. Je suis Faisal Azizi, je suis chanteur, auteur-compositeur et aussi acteur. On est à Rabat, au Café 7ème Art, et on est dans le cadre du festival Visa for Music. On était programmé pour la soirée d'ouverture et nous avons présenté pour la toute première fois notre nouveau projet qui s'appelle Hor, qui veut dire libre. La sonorité est quand même différente de tout ce que j'ai fait avant et j'étais très très content de voir que le public a bien réagi, a beaucoup aimé les reprises qu'on a fait pour des chansons de répertoire andalousi, de la musique andalouse. Moi je suis du nord du Maroc, je suis de Tétouan, donc mes inspirations sont principalement la musique andalouse de Tétouan et puis la musique des années 80 parce que je suis né dans cette période, donc les sonorités électroniques ils me touchent aussi comme le oud par exemple andalouse. J'ai commencé par le théâtre dans le but d'intégrer le monde artistique. J'ai creusé finalement en tant qu'acteur aussi et en tant que musicien. Et donc depuis le début, la recherche était la même jusqu'à aujourd'hui. C'est un changement, mais j'ai envie de dire que c'est une évolution. Parce que ça a commencé par la reprise de la chanson de l'héritage judéo-marocain Hakamama, qui est devenue un hit au Maroc, qui a eu des millions de vues sur YouTube, etc. Chose qu'on n'a pas attendue. Après avoir fait un tube, c'est très facile de virer vers le mainstream. J'ai envie de dire qu'ils sont bien aussi, je ne suis pas contre. La décision difficile, c'était de rester sur la même ligne et de faire évoluer un concept. Après, une fois tu te confirmes avec un certain nombre de productions, les gens comprennent et adhèrent et donc et ça touche de plus en plus de gens et je crois que c'est comme ça que ça a évolué. قلبي مشروح وردة على وردة قالوا ما تجرى قلت أنا لأمي ما قلبي مشروح Shana
في بالي باللي ما يمكنش ما يلبقش اني نكون نحلم وانت ما مطيقش معاك وبالي ما هو هاني وبانت عليا تلفت ما لقيتك قدامي وسمحت فيا دمع على دمع قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعة هذه هي الدنيا دمع على دمع قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعة هذه هي الدنيا متلوم عليا ملوم عليك دمع هانت ونزلت وردة ماتت ودبلت بكيتك يا وانت ما على بال يا لك يا قولوا لك واني اللي مشى وخلاني لاش قلبه هاني ما موسيقى en général, elle ne milite contre rien, mais en même temps, elle est là à circuler des messages à travers la poésie de ce qu'on écrit ou ce qu'on reprend. On encourage beaucoup les libertés, et surtout dans la région où on vit, il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Donc notre musique, elle traite de ça. Et puis moi, comme personnage de scène musicale, je ne représente pas forcément le stéréotype homme arabe. Donc cet aspect aussi, il joue un rôle pour annoncer une autre couleur qui peut inviter à réfléchir ou à voir autre chose ou voir les choses autrement, voilà. قلبي مجروح